Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc c'est parti, j'ai la voix qui part en couille complètement sur cette intro. Je crois que ça fait deux intros que j'ai la voix qui part en couille de Robocraft. On part en team deathmatch avec notre double Reno, chers amis, et on verra bien ce que ça va donner. Bon. Est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ce ne sera pas mieux? Peek-a-boo-boo. Hello guys, what do you get damn shit? Quand t'auras vu l'avant de mon vaisseau, tu comprendras. Quoi? Est-ce qu'il marche? Oui, il marche! Est-ce qu'il crouche? Oui, il crouche! Mais oh! Sac à merde! Voilà, ça devrait marcher comme il faut. Par contre, j'ai intérêt à être bien en face. Hein. Ils sont peut-être trop proches du coup. Bah alors? Ah, apparemment, elles sont pas parties comme il faut. Alors si on me donne des astuces qui marchent pas, ça va pas le faire. Hein. Je précise. Si on me donne des astuces qui marchent pas, ça va pas le faire. Alors, du coup je fais 0 dégâts là, ça me plaît pas. Oui, ça me plaît pas. Si on me donne des astuces qui ne fonctionnent pas. Plus forcément je prends cher. Ouais, mais je tiens le coup hein. Je tiens le coup. Par contre oui, alors l'astuce là Peek-a-boo hein. Quoi? C'est un peu l'astuce qui sert à rien là. Excuse-moi de le dire, mais là c'est naze hein, ton astuce. Hein. Je vais devoir les remettre sur les côtés, moi, les machines. Ok. Ok, donc en fait le gros machin là, il vient me piquer le heal. Du coup je me prends tous les dégâts, t'es un sac à merde. Si tu veux jouer solo, tu te casses. Bon bah voilà. Bon, alors, c'est génial. On me file les astuces qui marchent pas. C'est absolument génial. Eh bah écoutez, on va reprendre le design du vaisseau. Et normalement, en plus, ça devrait marcher. Quoique, non, il va peut-être y avoir un petit peu... trop peu d'espace, justement, à l'avant. Je vais y arriver. Ici. Ouais, c'est ça. Il manque quelques cubes à l'avant. C'est pas grave, hein, si ça passe comme ça, écoutez, on va l'utiliser comme ça. Hop.
Hop. Ok. Voilà. Hop. Ça me fait juste chier, c'est pour ces trucs-là. Hop. On aurait presque envie de le faire à l'envers, entre guillemets. Hop. Voilà, par exemple, si je fais ça. Hop. Voilà. Bon, ça change complètement le style du vaisseau, hein, mais... Écoutez, c'est comme ça. On repart avec. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous donnez des astuces, vérifiez-les. Hein, si c'est des astuces que vous avez retrouvées en regardant la vidéo, vérifiez-les. Parce que là... Ou alors, si c'est une astuce qui fonctionne qu'avec une seule arme, précisez-le. Ah, par contre, elles sont blanches. Ah, quelle horreur! Quelle horreur, elles sont blanches! T'as un problème? Et encore, t'as pas vu l'avant du vaisseau. Là, tu te dis, ça fait kikou, mais alors quand tu vas voir l'avant? Wouhou! My things range, what I'm about to say. Ok. Aïe. Tu peux dégager, s'il te plaît, merci. Monte sur le caillou. Oh, il est stylé, son vaisseau. Il est d'une telle classe. What? Quelle beauté! Quelle beauté ce vaisseau! Vas-y, descends me voir. Ça va être drôle. Hop les. Merci d'être venu. On va attendre un petit peu de régène quand même. Et on va se mettre sur un caillou pour pouvoir viser d'autres ennemis. Voilà, il a eu peur. C'est parfait. Ah, c'est un TX. Ok. Il est mort. Quand il est mort, le TX. Quand il est mort, le TX. La vache, il m'a bien niqué celui-là. Salut. C'est la ballerine. Ah, il est sympa son snipe, il est bien compact. Là aussi, on a affaire à une véritable beauté.
Team Victory, bah pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Hormis un manque de couleur sur mes bombardiers, enfin mes lance-missiles, c'est pas mal. Alors, manque de couleur, nous disions. Voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux. Est-ce que je peux te déplacer jusque là? Non, pas du tout. J'aimerais te déplacer, c'est possible? Non? Non, bon bah écoute. Tant pis pour moi. TX of the Dead, ça je peux le dismantle. Bon, les deux trucs, je vais les dismantle aussi. Je vous rappelle que vous avez, pardon, excusez-moi, accès à ces deux robots. Via le Humble Bundle pour 5$ si je me trompe pas. Le Humble Bundle, excusez-moi, je parle un peu du nez. J'ai un seul moment de m'en rendre compte. J'ai enlevé, oui, la DCA, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On en refera une prochainement. Il nous faudra donc qu'on reprenne un sniper. Donc, qu'est-ce qui nous manque comme armement? Qu'est-ce qu'on a en armement mais qu'on n'a pas en robot? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais je vais pas y arriver. Hop, ah, c'est bon. En armement, il nous faudrait donc qu'on retrouve une SMG si je me trompe pas. Voilà. Déjà qu'on retrouve une SMG, je pense que je ferai une SMG sur roue. Ça va nous changer. Un char, encore une fois, mais un char un peu plus compact, entre guillemets. Tiens, ben on pourrait peut-être le faire. Allez, pour la forme, on le fait tout de suite. Ça devrait être assez rapide. On va commencer par un cube normal. Voilà. Sur ce cube, on va pouvoir mettre la DCA. Qui regarde dans le bon sens si possible, merci. Comme ça, je vais pouvoir, hop, faire le design. Le design! Un design très très classique, vous allez voir. Hop! Quelque chose de compact. C'était ce que je voulais à la base. Hop! Que je suis bien centré au niveau des trucs. Oui, c'est parfait. Ok. Les couleurs, on verra ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et donc, de ce côté-là, là, ça passe. Hop. Là, je pense que ça passera pas. Donc là, je peux avancer d'un cube. Hop, merci. Bien vouloir me redonner mes cubes au fur et à mesure. Hop. Là, ça repassera pas non plus. On est d'accord. Hop. Crac. Ok. Je referai les ajustements tout à l'heure, hein, n'inquiétez pas. Hein. Kiwi pomme fraise, génial le chat, hein, toujours aussi intelligent. Alors ici. Hop. 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 Ok. Ok. Donc déjà. Voilà. Soit je refais un petit côté. Hop. Comme ça. Et dans ce cas-là, ce sera moche sur une grande partie du vaisseau. Quoique non, ce sera bien cubique. Cubique ! Et ici, ça donnerait ça. Si j'arrive à le placer comme il faut. Ouais, mais c'est là justement qu'il y a un truc qui va pas.
Oh, quoique. Quoique, non, ça va. En fait, non, ça va. Ça va même très très bien. Parce que ça fait en fait une plateforme, une espèce de plateforme en hauteur. Donc, 3 de l'autre côté maintenant. Ensuite, je place ça. Ensuite, je place ça. Ensuite, ceci. Ensuite, si je me trompe pas, un cube. Peut-être la seule fois où j'ai peut-être fait une connerie en fait, en plaçant un cube en fait. Non, non, c'est bon. Mais non, c'est ça que j'aimerais en fait, merci. Hop. Voilà. Ok. Ok aussi. Parfait. On récupère le même schéma de chaque côté. Ok. Parfait. Ah, je suis pas sur la bonne... Oh, ça peut être intéressant à faire aussi. Remarque. Hop. Voilà. Si je veux faire ça. Crac. Ok. Ok. Et ça passe. C'est génial. C'est génial. Hop, ce qui veut dire qu'ici, en fait, je peux faire une grosse descente. Alors. Gardez quand même la solidité du machin, parce que putain. Sinon, on va en chier. Hop. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, comme on dit, hein. Hop, ça va être ça. C'est bien ça. Là, je peux mettre, si possible, un cube, mais je ne peux pas. Là, comme ça non plus. Oh, dis donc, c'est intéressant. Alors, ici, justement, il m'en faudra un comme ça, s'il te plaît. Merci. Ensuite, il me faudra un cube plein. C'est ça. Ouais, même si ça fait très très moche, hein, je confirme. Hein. On va faire ça comme ça. Je suis stupide. Crac, crac. J'aimerais éviter qu'on voit la moindre roue, ce serait cool. Mais je crois que là ça pue du cul. Quant à cette possibilité. Hop. Pourquoi non? Merci. Et au moins la décence de me dire non quand c'est nécessaire. Hop. Et hop. Voilà. Bon, ça fait une drôle de forme à l'arrière, mais écoutez. Pourquoi pas. Du coup, à l'avant, ça va nous rendre la même chose. Ok. Hop.
Voilà. Pourquoi ça fait pas la même chose ici? D'accord, oui, exact. J'avais oublié. Oh là là. Je me fais vieux. C'est sûrement ça. Ok. Je vais régler entre guillemets le problème central tout à l'heure. Je finis ça d'abord. Ok, alors, maintenant. Voilà. Ensuite, on avait dit un cube comme ça. Alors là, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Ok, ok, d'accord. C'était celui-là? C'est celui-là qu'on est? C'est celui-là qu'on est. On avait dit quoi? Oh, je m'en rappelle plus. On a 5 ici. Là, on n'a que 4. Ok. Capiche. Capiche, capiche. Non, par contre, oui, est-ce que c'était sur ce cube-là ou est-ce que c'était sur le cube d'après? Putain! C'était bel et bien sur ce cube-là et ensuite on avait mis un cube comme ça, ok. Ok, ok, pourquoi pas. Hop. Hop. On avait mis un cube comme ça. Histoire de... Hop. C'est pas ça qu'on a... Ah oui, c'est peut-être ça qu'on avait mis. Je m'étonne. Qu'est-ce qu'on avait mis ensuite? Qu'est-ce qu'on avait mis ensuite? Je ne me rappelle plus. Alzheimer me guette. Hop. Apparemment, on avait réussi à placer un truc comme ça. Comme ça, sûrement. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc on retrouve la DCA. On va quand même équiper comme il faut, hein. Alors, justement, en parlant de l'équiper comme il faut, les méga shields, non, méga shield, ok, donc déjà j'ai envie de prendre des comme ça, histoire d'avoir à peu près au moins toutes les formes disponibles tout le temps. Voilà, là on a toutes les formes disponibles. Je pense que c'est un vrai plus. Par contre, ça nous a bousillé une bonne partie de notre fric, certes. Mais au moins, on a toutes les formes disponibles en TX, ce qui n'est pas rien. Cette forme-là est pas mal, même si elle prend... D'accord, elle prend par en dessous. Ah, ça peut être intéressant, ce qui veut dire que si je la mets un petit peu comme ça... Si je la mets un petit peu comme ça, elle est moins bien prise. Ok, je capte. Je vois ce que tu veux dire. Je vois où est-ce que tu veux en venir, jeu. Ok, là ça passe. Il m'en a presque fallu un deux autres pour placer derrière. Alors, ensuite. Ah, ça c'était mieux. Hop, ça c'est beaucoup mieux. Beaucoup, 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 beaucoup mieux. Ok. Ça, ça passe aussi. Fait une protection sur les côtés, c'est pas plus mal. Ici, si je peux, j'essaierai bien de mettre... Ça va être trop juste, hein. Ah, ça passe ici. Voilà, donc ce qui fait qu'on couvre bien la surface à l'avant pour tout ce qui est bombardier, en fait. Ici, est-ce que c'est possible de mettre des trucs comme ça? Non. Donc ça, encore moins, forcément, oui.
Là, je me doute. Bon. Bon, bon, bon. Hop. Non, ça c'est menthe. Ça fait même plutôt pistache la couleur, hein, à l'heure actuelle. Non, c'est du beige, si c'est du beige, parfait. Camouflage. Ah, ça c'est un petit peu trop. Hop, voilà. Et juste parce qu'on a mis une autre couleur de vert, on a mis du vert. Faut absolument que j'en mette aussi une ici. Du coup, je vais reprendre le beige et je vais le mettre là. Non, je peux pas prendre le beige? Le beige, s'il te plaît. Merci. Hop, voilà. En mode camouflage. Camo Canon. Voilà. Camo Canon. On va essayer quand même d'aller l'emmener en single player, histoire de voir s'il tourne bien comme il faut. S'il tourne, on va rajouter quelques petits équipements. Oh, il tremble! Il tremble comme un vrai! Ah non, il tremble parce qu'il est buggé en fait. Parce qu'il est buggé dans la terre en fait. Ok, bon bah pourquoi pas. On va essayer de surélever d'une case en fait, vous allez voir. Pourquoi on peut le renterrer? Regardez ça. Ah non, on pouvait l'enterrer tout à l'heure. Je vais le soulever d'une case, ce sera bien mieux. Et on repart avec single player. On verra bien ce que ça va donner. Hop. Ah. Ah bah il retremble. Il y a un truc qui lui plaît pas, hein. Bon, bah voilà autre chose. Putain. Peut-être fait les cubes trop collés au robot en fait. À tous les coups, regardez, tous les coups, hop. Si il veut bien. Si je les baisse d'un cran, est-ce que c'est mieux? Non, pas team deathmatch. On va d'abord partir en single player parce que s'il tremble comme un vrai. Ok. Ah non, ça veut pas, hein. Il se passe quoi avec mes chenilles en fait là? En fait, elles supportent pas d'être à deux à tourner l'une de l'autre, regardez. Dès que je suis sur une roue, ça va. À partir du moment où elles sont sur les deux, ça va pas. Bah, voilà autre chose. Voilà un bug de gameplay, enfin un bug de jeu ou un bug de construction, je sais pas. Je me casse le cul à faire un truc propre et le jeu me la fout à l'envers. Je vais quand même enlever ça, on va bien voir. Hein. Peut-être que ça vient de ça. Hein. Hop. Le vaisseau qui tremblote. Voilà, le v'là. Ça tremblote toujours. Bon bah écoutez, abandon, parce que là ça va pas le faire. Je referai un vaisseau propre. Je vais même aller jusqu'à retrouver un robot sur Robocraft Garage, un robot DCA, et puis on verra bien le moment venu. Voilà.
C'est là le rush fail, on va dire. Donc voilà, allez, salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et hop!